passée, je me suis entraîné mercredi en ambulatoire, donc je suis ressorti dans la foulée le soir et le chirurgien a dit que tout s'était bien passé, donc voilà, je suis confiant et pour le moment j'ai pas trop de douleur, donc tout va bien. On t'a posé quoi de l'agrafe? Non, en fait c'est la technique de McIntosh, donc en fait on a pris un bout de tendon et on l'a remplacé au niveau du ligament croisé. Voilà. Bon, c'est une saison galère pour toi là. Ouais, c'est une saison un peu compliquée pour Colmar et en général et pour moi aussi, mais après voilà, c'est les aléas du foot et c'est une partie du sport. Voilà, on a accepté ce qui se passe et puis on regarde devant. On t'est déjà fixé sur la saison prochaine, forcément la rééducation qui va suivre. Ouais, disons que là, ma fin de saison est terminée. Maintenant je ne sais pas encore dans quel club je vais reprendre, parce que j'avais signé un protocole avec le club de Bourg-en-Bresse, mais cette blessure peut peut-être remettre en question ce protocole, donc on va voir dans les jours à venir. Maintenant, voilà, la priorité pour moi c'est de bien faire ma rééducation et de reprendre tranquillement pour être opérationnel le plus vite possible. Comment t'as trouvé tes coéquipiers là face à l'US Dunkerque? Je trouvais qu'ils avaient fait une belle première mi-temps. Je pense que le score de 1 partout il est pas forcément logique parce que Dunkerque a tiré une fois au but et a marqué. Malheureusement c'est un scénario qu'on connaît assez souvent au début de saison, mais ils ont une belle réaction d'orgueil et j'espère qu'ils vont continuer en deuxième mi-temps pour gagner le match. Bon, vous priez fort pour que les 3 points de Béziers vous retombent dans la besace. Ouais, mais disons que ce serait 3 points hyper importants pour le maintien. Maintenant, si on vient les récupérer, ça changerait la donne parce que on serait plus qu'à 3 points du premier non relégable. Et la journée de la fin, tout serait jouable. Donc on s'accroche à ça et j'espère qu'on va le faire.